L'élection de Miss Belgique 2020 aura lieu le samedi 11 janvier à La Panne. Sur 215 candidates, 32 jeunes femmes ont été sélectionnées. Parmi elles, 19 sont néerlandophones et 13 sont francophones. Dans les 13 francophones, une candidate de Liège, Amandine Toffoli. Elle est étudiante en esthétique, 22 ans et est originaire de Serein. En 2018, elle a été élue Miss Télévie. Ajala News accueille aujourd'hui Amandine Toffoli, candidate finaliste au concours de reine de beauté du Royaume de Belgique. Qui est-elle? Découvrons-la. Bonjour Amandine. Bonjour. Alors, merci de nous accueillir ici au stade de Sclessin. Donc, pourquoi avoir choisi cet endroit? Alors, tout d'abord, parce que je suis liégeoise. Et donc, mon papa, ça fait 20 ans qu'il travaille au Standard, donc je suis une très très grande supportrice du Standard depuis toute petite. Et alors, est-ce que vous venez souvent au Standard de Liège? Vous suivez tout le temps, tous les jours de match? Tous les jours, je n'irai pas jusque-là, mais ça m'arrive, oui, de venir voir les matchs, même toute seule. J'aime vraiment bien. Ah oui. Et donc, votre papa ici travaille depuis 20 ans. Ah oui, oui. Depuis donc, 1999. Vous êtes une grande fan du Standard. Alors, quand avez-vous commencé à participer au concours de Miss et pourquoi avez-vous décidé de vous inscrire au concours de Miss Belgique? Alors, j'ai commencé mon premier concours en 2013 et parce que donc, les concours, donc, on commence à partir de 16 ans. Et c'était le concours Miss Italia en Belgique. Ah oui, et Miss Italia, vous avez été élue? Alors, en 2013, non. Parce que j'étais déjà trop jeune, donc je n'avais pas encore l'expérience d'une Miss. Mais par la suite, en fait, j'ai voulu recommencer le concours, donc j'étais un peu plus âgée. Et là, j'ai été élue première dauphine. Ah, et à partir de quel âge peut-on participer à un concours? À un concours de Miss vers 16 ans. Ah oui, et vous, votre passion est venue bien avant vos 16 ans, je suppose. Oh oui, parce que ma maman était mannequin, donc avant, mais tombée enceinte à 20 ans de moi, donc elle m'a eu à 21 ans. Et donc du coup, pour elle, son projet s'est arrêté pour donner naissance à sa petite fille. Oui. Et moi, elle m'a transmis sa passion, et donc j'ai voulu commencer les concours de Miss. Mais également parce que j'avais pas confiance en moi, donc ça m'a vraiment permis de prendre de l'assurance. Et c'était une compétition pour moi de pouvoir vivre cette expérience-là. Voilà, donc quelque part, c'est une passion, mais c'est aussi un défi. Oui, c'est des défis que je me lance à chaque fois. Et ici, le concours Miss Belgique, c'est encore mon plus gros défi parce que c'est le plus gros concours de Belgique. Oui. Et j'ai toujours dit que je voulais le faire en dernier, car avec les concours précédents, j'ai pu prendre de l'assurance, comme je viens de vous expliquer. Et maintenant je suis prête à réaliser mon plus grand rêve, mon rêve de petite fille, oui. Et de donner tout ce que j'ai. Ah oui. Et donc, justement, est-ce que ce défi-là vous a permis d'évoluer, au niveau psychologique? Oui. Est-ce que vous avez, grandi? Est-ce que votre personnalité a changé? Ma personnalité, elle a changé, mais pas à cause de Miss Belgique. Elle a changé déjà directement dans les concours, car il faut qu'on sache aussi que les gens ne sont pas toujours gentils, aussi bien dans les commentaires que Mais on prend de l'assurance parce qu'on se dit, si je suis là, c'est que je le mérite. Donc on doit donner tout ce qu'on a et on ne doit pas écouter, on doit vraiment faire comme si on n'entendait rien et se dire, si je suis là, c'est que je suis capable aujourd'hui de réaliser mon rêve. Et pour moi, il faut vraiment donner tout ce qu'on a à fond quand on veut réaliser un rêve, aussi bien que ce soit dans le sport, que ce soit quand c'est une compétition, il faut vraiment donner tout ce qu'on a et le vivre à fond. Oui, donc c'est beaucoup aussi de sacrifices. Bien sûr, oui, oui. Oui, bien sûr, parce que je veux dire, c'est pas non plus rose tous les jours, il faut pas croire. Il peut très bien arriver qu'on ne s'entende pas spécialement avec des collègues aussi, parce qu'on ne peut pas tout bien s'entendre. Et on fait en sorte que tout se passe très bien. Et pour le moment, je n'ai jamais encore eu vraiment de gros soucis à ce niveau-là. Alors, le mois passé, vous êtes partie avec toutes les Miss Belgique en Égypte. Comment s'est déroulé le voyage? C'est une première expérience pour vous? Alors, pour ma part, non, c'était déjà la troisième expérience en Égypte. J'adore l'Afrique du Nord, donc
Je savais très bien à quoi m'attendre, je connaissais le paysage paradisiaque. Et j'ai vraiment passé une magnifique semaine avec le comité et les candidates. Ah oui, donc l'Afrique du Nord, donc comme vous dites, c'est une troisième en Égypte. Est-ce que vous connaissez, voilà, ou est-ce que vous avez visité d'autres pays d'Afrique? Oui, j'ai également visité la Tunisie et j'aimerais bien, dans mes projets futurs, visiter le Maroc. Vous avez des amis d'origine J'ai beaucoup de marocaine? connaissances qui sont marocaines, oui. Et alors, ils m'ont donné l'envie donc de partir au Maroc et plus précisément à Marrakech. Ah oui, et vous avez d'autres villes que vous Je vais aimeriez faire mes visiter? recherches car je suis une grande voyageuse, j'adore ça. Donc je vais regarder un petit peu ce qui me plairait le mieux de visiter, pourquoi pas faire un petit city trip aussi, ce serait pas mal. Oui, ah, ben voilà, on souhaite. Voilà, je pense que c'est un charmant pays et qu'il faut Oui. le visiter. Alors, en 2018, vous avez été élue Miss Télévie. Alors, en quoi consiste le rôle de Miss Télévie? Alors moi, la Miss Télévie, je l'appelle la Miss au grand cœur. Parce que pour être Miss Télévie, il faut savoir donc se mettre à la place de l'autre, déjà c'est très important, et être toujours souriante, car bon, voilà, on parle quand même de personnes malades, donc il est important d'avoir de la joie de vivre et d'être toujours présente pour ces personnes-là. Moi, durant donc l'année où j'ai été élue Miss Télévie, j'ai pu rencontrer des petites filles malades qui sont malheureusement décédées durant que j'étais Miss Télévie. C'est pas facile tous les jours, mais bon, voilà. Et alors, j'ai pu également avoir la chance d'aller remettre le chèque sur le plateau de RTL. Oui, tout à fait. Donc, pour vous, c'est une cause que vous défendrez Oui. si jamais vous êtes élue Miss C'est Belgique. une cause qu'il faut défendre parce qu'il faut vraiment trouver une solution vis-à-vis du cancer. Oui. Tout à fait. Et vous vous impliquez dans d'autres associations ou, Et pour le moment, donc, dans l'association Hope for the Children, c'est donc l'association que Miss Belgique a créée. Donc, ça se passe au Cambodge. Et donc, ici, avec les candidates, donc, on fait en sorte de récolter le plus d'argent possible. Et donc, celle qui remporte le plus d'argent sera Miss Charity. Et donc, la Miss Belgique, en fait, aura la chance d'aller apporter donc le chèque là-bas, sur place. Et ici, ils ont déjà créé une école primaire. Et cette année, ils vont Ah créer une oui. école secondaire. Ah oui, très beau Oui, projet. très beau projet, Donc oui. voilà, parfait. Alors, avez-vous un modèle dans la vie, une icône? Oui, Cristiano Ronaldo. Ah, pourquoi? Alors, bah, parce que je me vois vraiment en lui, car il est très généreux, il a un grand cœur. Il a aussi des associations, enfin, je veux dire, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et franchement, je ne vois pas qui d'autre à part Cristiano Ronaldo. Maintenant, intéressons-nous plus à la personnalité de Amandine et à ses ambitions. Alors, quel est votre défaut ou votre qualité? Alors, mon pire défaut, c'est je suis trop possessive. Oui. Et la qualité? Et la qualité généreuse. Alors, avez-vous une manie au quotidien? Alors, une manie au quotidien, non, pas spécialement. Je suis impatiente, ça oui. J'aime bien que tout aille très très vite. Mais sinon, mis à part ça, non, ça va. Je suis quand même quelqu'un d'assez calme. Ou superstitieuse, une superstition, non? Non, ça va. Non, pas spécialement. Non? Non. Voilà. Alors, votre devise dans la vie. Alors, ma devise dans la vie, c'est qu'importe ce que je deviens, je n'oublierai jamais d'où je viens. C'est une devise que vous avez depuis, je Oui, depuis suppose. toujours, car pour moi, bah, peu importe en fait ce qu'on fait dans la vie, il faut toujours rester soi-même. Voilà, gardez votre Oui. personnalité. Oui. Alors, quelles sont vos valeurs ou votre valeur de la Alors, vie? moi, je suis très famille, donc très généreuse, tout ce qui touche la maladie, aider les gens, voilà. Ça, c'est vraiment mes valeurs, oui. Alors, merci Amandine de nous avoir accueillis ici à Liège, dans ce beau club qui est le Standard de Liège Avec plaisir. et le nouveau restaurant. Alors, et merci d'avoir pris de votre temps pour Aljala News. Aljala News vous souhaite une bonne continuation. Pour soutenir Amandine, vous envoyez un SMS MB20 au 66 65. MB20 au 66 65. Merci. Merci.